tout le monde, c'est Mentalis et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Train the Beast. J'espère que vous allez bien, moi je pète le feu les amis. Ça y est, j'ai mon nouveau micro, je vais pouvoir recommencer à enregistrer. Oui je sais, je suis encore en vacances, mais j'avais envie de tester mon micro sur un épisode les amis, hein, voilà. Donc, par rapport aux deux derniers épisodes où vous ne saviez pas du tout ce que je foutais, hein, cette fois-ci, vous allez pouvoir le savoir au fur et à mesure. Donc déjà, on va juste faire un truc que je voulais faire depuis longtemps, à savoir se faire un linking book. Hop là, et tester la machine que nous avons là, les amis. Alors, je pose ça là. Donc je veux qu'il me suive, ce bouquin. Intralinking. Je sais pas ce que c'est, donc je vais pas cocher. Générer une plateforme, non. Non mais c'est bon, c'est parfait, voilà. Donc maintenant, je vous explique. J'ai un livre qui me suivra où que j'aille. Par exemple, là, je vais là. Voilà. Et si je veux retourner à la base. Enfin au Nexus. Et hop là, je suis TP. Voilà. Et le bouquin reste avec moi. C'est surtout ça. Ceci, c'est un nouveau bouquin. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas une pancarte? Non, j'ai pas de pancarte, faudra que j'y pense. Qui nous permet d'aller dans un monde où on peut chasser parce qu'on a vraiment besoin des Enderbirds. Perle, j'allais encore dire une connerie. Et donc là, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est enfin commencer à s'installer. Parce que là, c'est pas possible, regardez tout ça là, c'est mèche. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est... alors, il faut que je retourne dans mon QG... C'est ici. Alors, c'est là que j'ai mis... Oh raté, ça c'est pas du tout le bon monde. Où est-ce que j'ai foutu le... Ah bah oui, je suis con. Hop là, j'adore me TP, c'est juste énorme. C'est le bouquin qui est ici, les amis. Celui-là. Donc aussi TP. Voilà, c'est par là. Voilà, ça c'est ma grotte. C'est là où je vais pouvoir faire le grudu. Alors je sais pas exactement comment je décorais à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est que j'habitais là. Pas de mob. Ok, pas de mob. Alors, ici, je vous... Donc, j'ai pas pu vous le dire dans le précédent épisode, mais ce sera ma salle des coffres. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est creuser encore. Pareil, il faut que je vois comment faire les murs. Alors, oui, alors je voulais aussi vérifier comment on fait les barrels. Oh, c'est franchement facile à faire, hein. Donc écoutez, on va se faire ça. On va se faire ça. Mais après une rapide ellipse... si. Alors, ça j'ai, ça j'ai. Ça, facile à voir. Ça par contre, je sais pas. Et ça j'ai. Dark Iron... Ah, si, d'accord, je sais comment on a ça. Bon, on fera ça... le temps... En temps utile, pardon, excusez-moi. Déjà, il va falloir qu'on commence à aménager donc tout ça. Alors, je vous explique. Ce sera une décoration à base de sandstone. Ça, c'est tout ce que je sais pour le moment. Ici, il y aura un petit chemin qui mènera, hop là, jusqu'au bouquin. Voilà. Aïe. Et bah, vous savez quoi, on va commencer maintenant. Plop plop plop. Alors, voyons ça. Hop, ici, 3. Ah là là. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir recommencer à tourner. Voilà. Hop. Voilà. Hop, je vais peut-être placer ça ici à la slime ball. Oui, évidemment, c'est utile les slime balls dans ce cas-là, les amis. Hein. Ça sert à... Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux quand même de pouvoir recommencer à tourner. Non, vous savez pas comment... Moi, ça me frustrait en fait de vous filer des épisodes sans que je parle. Et en plus, même pas monter. Bon, ça, c'est plus dû au fait que je suis en vacances, les amis, hein, je vous le rappelle. C'est pas parce que cette vidéo sera en ligne, en fait, que je reprends de suite. Hein, Je vous l'ai dit, je suis vraiment en vacances, les amis. Laissez-moi me reposer. Mais bon, encore une fois, il fallait que je teste ce micro, voir s'il fallait que je le renvoie de suite ou s'il fallait que j'attende un peu.
Hop là. Alors, si vous voyez cet épisode, c'est que j'ai été très heureux du résultat. Ou alors que j'ai pas senti le moment où ça a déconné. Juste ici. Donc c'est ce bloc là. Tac, 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 tac. Aïe, tac. Aïe. Aïe. Voilà, c'est là. On va creuser ici. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de beau, les amis? Bah, que je pète le feu, ça par contre, ça change pas. Je suis absolument ravi de pouvoir tourner, franchement. Mes vacances se passent bien, en fait, pour les petits curieux. Je me ressource à max. Bon, ok, en fait, ça change pas vraiment d'habitude, puisqu'en fait, je fais quasiment que jouer aux jeux vidéo. Mais je tourne pas en fait. Et ça peut paraître con, mais à force de tourner, je commence à faire de la merde là les amis. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais les derniers épisodes que je commande, bah justement je les commande mal. C'est-à-dire soit je les commande pas, soit je commente, mais vraiment enfin, voilà quoi. Peu peu et pas sérieusement quoi. Donc bon, faire une petite pause comme ça permet toujours de faire du moins caca. Voilà. Ici on creuse. Voilà. Là je suis à quelle hauteur? 70. De l'autre côté je suis à... Hop. Mais à force je vais finir par me tuer, je sais. Ah bah non en fait, faudrait que j'arrête de creuser là. Écoutez, hop. On va arrêter de creuser et on va tout simplement aller tout droit. Voilà, c'est parfait. Alors oui, alors ce que y a plein de trucs que je vous ai pas pu vous dire dans les épisodes précédents. Alors si les blocs là ils flottent vers moi, c'est tout simplement parce que j'ai activé l'élément. Alors comment on active l'élément? Donc c'est un ajout de not enough items. Vous allez dans options et ici vous avez cheat mode qui permet de give etc. Mais non. Recipe mode qui file que les recettes. Et utility, donc le mode utile, on va dire. On peut traduire ça comme ça. Donc en effet, c'est super utile parce que, ben voilà, les items viennent vers moi. Et ça, c'est juste la méga classe, les amis. Ah oui, en fait, je peux aussi gueuler dans mon micro. Mon PC ne me considérera plus comme un bruit de fond. Étant donné que bah, j'ai en fait sur le micro. Oui, vous savez, les petites merdes là. Les petites moumoutes qui servent à... atténuer le son externe, ce qui fait que bah voilà, c'est trop bien. Ah voilà, la lumière enfin. Voilà, et on pète tout ça. Ah putain, mais en plus on avance bien quoi les amis, c'est ça qui est bien ça. Alors je sais que par rapport à Orion par exemple, j'avance lentement tout simplement parce qu'en fait je ne peux avancer que quand je filme. Ça sert à rien de trop avancer quand vous êtes pas là. Donc le seul truc qu'on a fait c'est Orion et moi une carry, mais c'est le seul truc sur lequel on a pu avancer. D'ailleurs je vous montrerai l'état parce que ça fait enfin, elle a tourné, ça fait 2 jours qu'elle tourne. Ouais, ici je foutrais des escaliers. Ici aussi. J'ai pas de quoi me faire une... Non, j'ai pas de quoi faire de torche. Alors, ensuite ça monte, ça monte, ça monte. C'est parfait. Vais juste par contre péter encore un de hauteur parce que ça me sent un peu bas. Voilà. Ah, il y a une poule. Quand, quand, quand. Oh misère, non je ne suis pas fou les amis. Ici aussi il va y avoir moyen de découvrir. Alors j'ai vu que... Oh non, ça je vous le spoil pas, on verra ça dans la prochaine vidéo. Enfin dans les prochaines vidéos, pas dans la prochaine, parce que voilà. Mais je sais qu'Orion est en train de faire un truc sacrément cool. Tiens d'ailleurs il a réussi à faire des portal guns. Bon en même temps ils sont pas super compliqués à crafter. Hein. Voilà. Bon alors ça c'est fait. Désolé ma grande, mais il me faut des plumes. Alors, bon t'en as pas loot, c'est pas grave. Plop plop plop, ça... me paraît bon. Tiens, vous savez quoi? On va s'occuper de faire... Hop là, des solar panels. Il paraît que c'est pas super compliqué à faire. Orion a réussi à en faire rapidement. Alors, solar. Solar panel. Alors, il faut un générateur, c'est pas compliqué. Carbon plate. Alors, silicon cell, comment on fait ça? Avec la centrifugeuse dans laquelle on fout du lazurite dust. Et lazurite, ça se fait à partir de... la pile lazuli. Écoutez, il y a une centrifugeuse chez Orion, donc on va l'utiliser. Hop. Alors, d'abord, il faut en récupérer notre propre stock de la pile lazuli, hein, parce autant on emprunte ses affaires, autant on utilise nos ressources, hein, c'est toujours mieux. La pile lazuli.
Voilà, en plus il paraît qu'il y a une super centrifugeuse alors qui tue tout, donc je veux voir ça les amis. Hop là, j'ai aussi... Alors si vous demandez ce que c'est ça, où est-ce que ça mène celui-là? D'accord, il... Ok, Orion nous fait des portails un peu spéciaux, hein. Donc, on va aller donc chez Orion, on va utiliser sa centrifuge. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, donc j'espère que j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, voilà. Ouais, alors toujours penser à bien fermer ici, parce que ça peut être dangereux sinon. Hein. On est d'accord. Alors, voyons ça. Mantis Orion. Olé. Si je clique à côté, ça va pas le faire. Alors, la centrifugeuse, c'est ça. Non, c'est un recycleur. La centrifuge. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Non. C'est... Non, c'est pas ça. C'est ça. Non. Ça là-bas? Hop. Aïe, c'est quoi ça? Ah, le matin fabricateur, oui, il m'en avait parlé. Qu'est-ce que ça? MFSU, ok. Oui, j'utilise un texture pack en fait, les amis. Tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Rolling machine. Elle est où, ça, ce putain de centrifugeuse? Il a fait quoi, sa centrifugeuse? Il a warp zoné? Ah bah... Non, c'est une centrifuge extracteur. Quoique, on peut tester. Nope. Ouais, bah pour le coup, je suis un peu bloqué là, puisque je sais pas où est-ce qu'il a foutu son boulet. Otari Macerator. Rolling Machine. Non mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai avec lui ce soir. Plein de bouquins ici. Dance Or Orion et Orion Monde 2. Alors, oui parce qu'on a le droit à 3 mondes les amis, je vous rappelle. Dance Or, qu'est-ce qu'il a fait sur son Dance Or? De la merde. Putain, il est moche son Dance Or. Oh non, il est immonde. C'est quoi ce ciel? On se croirait en enfer quoi. Eh, je me casse. Voilà. N'hésitez pas à me donner un micro. Ouais tiens, pas bête. Ça va nous occuper. Bah. Disque. Ah ça y est, il y en a trop d'autres. Alors on va mettre. Ah, je sais qu'il y a un disque qui a une utilité cachée. Ah, c'est... Ah, c'est celui-là. Ok. Bon, bah écoutez, on va se passer celui-là. Hein, pourquoi pas. Je crois que tous les fans de Portal le reconnaîtront. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Every piece into
Allez, fin de l'interlude musicale, les amis, quand même, faut pas déconner. Bonjour toi. Oh, je peux pas te toucher, j'ai la flemme de me déplacer pour te tuer. Oui, parce qu'on peut avoir la flemme de se déplacer pour tuer un monstre. Alors, bon, alors on n'a pas retrouvé la centrifugeuse, donc on ne se fait pas ce tower panel pour le moment. Donc on va continuer à faire de la décoration, il faudra que j'en parle avec Orion. Alors, ouais, je pourrais aussi me faire une centrifugeuse, remarquez. Attendez, tout dépend ce qu'il faut. Centrifuge extra. Mais ça, il l'a. Or, c'est ça qu'il faut. Oui, ça doit être ça. Alors, Advanced Machine Block. Ah non, ça doit pas être ça, c'est pas possible. Ah si, il y a des chances que ce soit ça. Bon, c'est pas grave, je lui emprunterai en fait, hein, ça vaut mieux. Donc les amis, ce qu'on va faire. Mettre fin à épisode, tout simplement. Ouais, ce sera pas un épisode de... Enfin, d'habitude, enfin, je sais pas si vous aviez remarqué, mais c'était en accéléré les précédents épisodes. Puis en principe, il faisait entre 40 minutes et 1 heure, pardon. Donc bon, pour une fois, ce sera un épisode nettement plus court. J'aurais pas besoin de faire d'accéléré. Youhou! Donc les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'abord, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à le commenter, à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, hein, parce que de temps en temps, je fais des trucs un peu bizarres. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais à la fin de... de mes vacances! Allez, salut tout le monde! Re tout le monde! Re, c'est mieux quand je fous le micro. Je vous avais dit que je vous montrerai évidemment la carry, mais j'avais oublié. Ouh, la frise. Donc, où est-ce que ça en est au niveau creuse? Il en est là. Voilà, il commence à être sacrément bas, le petit. Et au niveau ressources. Hop là. Voilà, voilà. Je pense être à l'abri du besoin pendant un certain temps, les amis. Ouais, même pendant très très longtemps. Il y a énormément d'iridium. Puis voilà, je suis heureux. Voilà, c'est tout, c'est tout. Uranium or, ouais, bon voilà. Par contre, il me semble qu'avec l'uranium or... oui, alors, attendez. En fait, j'ai appris un nouveau truc. Si par exemple, je cherche dans tous mes coffres de l'iridium, on va dire iridium. Oups, iridium. Voilà, je double-clique ici. Voilà, ici tout est sombre. En fait, ce que ça fait, c'est que ça met en valeur en fait le truc. Ce qui fait qu'on trouve plus rapidement. Enfin bon bref, voilà, on s'en fout. Ce que je cherchais, c'était... ah oui, alors l'utilité de l'uranium. Alors, uranium, uranium. Uranium dust. Non, refined... Ah ouais, il me semble que c'est avec le refined uranium. Avec le refined uranium, on peut faire des nukes si je me souviens bien. Il faut de la... Bah attendez, est-ce que je peux vous montrer? Je vais essayer de vous montrer. Uranium. Hop, je prends. Voilà. Hop, sinon ça me gave. Allez, casse-toi. Voilà, merci. Hop là. Donc, on va aller encore une fois chez Orion et on va tester le l'uranium. Enfin, on va tenter de faire une bombe nucléaire. Il va falloir de la poudre de creep. Je sais que j'en ai quelque part. Non. Voilà, poudre à canon. Voilà. Hop, alors. À partir de là, ça va être rigolo. Hop. Non. Ah, je kiffe cette fonction. Enfin, cette fonctionnalité, pardon. Ouh, j'ai cru que le sable était, mais non. Là, voilà, parfait. Hop. Donc c'est bon. Et donc on va chez Orion utiliser son compresseur. Ça je sais par contre qu'il a. Hein, mais d'ailleurs hop, on va plutôt utiliser mon livre qui lui au moins link au bon endroit. Ah et la musique du jeu qui se lance, c'est magnifique. Alors, on cherche son compresseur. Ça c'est un recycleur. Induction furnace. Retardé macérator et rolling machine. Ah mais il est où son compresseur? Je sais qu'il en a un puisqu'il a fait des blocs qui ont été très utiles d'ailleurs. Compresseur, c'est pas un compresseur, non c'est un centrifugeuse extracteur.
Compresseur, voilà. Donc, on fout ça là-dedans. Et... Ah, c'est... Ça, c'est relativement long, les... Ah, non. Ah, bah, c'est... Ah, bah oui, c'est vrai, ça accélère au fur et à mesure. On va laisser accélérer à fond. Ah, me dites pas qu'il va falloir de la redstone, hein. Pas d'accord, hein. Il pourrait pas alimenter ses machines comme un grand? Ah, fût. Tiens, je vais lui piquer de la redstone. Ah non, j'avais apporté de la redstone la dernière fois. Hop, là-dedans. Aïe. Oui, j'ai des mini-freeze, c'est normal, c'est quand on laisse trop longtemps Feed the Beast allumé, au bout d'un moment, bah, ça freeze. Voilà. Donc, on va en faire plein, mais voilà. Alors, ça, déjà, j'ai récupéré, normalement, j'ai de quoi faire ma nuke. Alors, hop. Il me semble que c'est censé être une recette cachée. Alors j'oublie comment elle est, si c'est comme ça ou si c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Alors. Hop. Hop et hop. Ah non, ils ont changé la recette de la nuke depuis la 1.2.5. Ah, c'est dommage. Bon, au moins on a du refining. Et donc ça sert à quoi? Utility. Ouais. Ah, si je tape nuke, est-ce qu'il y a la recette maintenant? Parce que je sais qu'à une époque la recette était cachée, qu'on pouvait pas la voir avec... Ah d'accord. Ah, ils ont carrément modifié la recette. Ah ouais, carrément même. Ah. Dommage. Enfin, en tout cas, pour vous donner une idée, ça fait très très mal. En fait, je vous le dis, on avait triché à un moment, parce qu'en fait on avait fait un monde Dance Or qui était relativement stable. Le seul truc qui était pas stable en fait, c'est qu'il y avait de la corruption et qu'on a failli tous crever à cause de ça. Et donc ce qu'on avait fait, c'est que je me suis passé en game mode. Oui, si, si, j'allais tricher, mais attendez, j'ai pas terminé. Donc j'allais tricher rien que pour ça, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu d'autres triches sur le serveur. Non, il n'y en a pas eu d'autres. En fait, et j'ai fait péter la nuke pour péter la corruption. Bon, ça a pas marché, mais par contre ça a pété tous les autres blocs. Autre que la corruption. Et je peux vous dire que ça fait un putain de trou. Le monde, on l'a perdu, évidemment c'est trop dangereux de rester là-bas. Mais c'était rigolo. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous montrer les amis. Allez, salut tout le monde!